No, I won't be staying here, Dad. Come and see us, Papa, when you can. There'll always be a place for my old man. Just drop by when it's convenient to. Be sure and call before you do. So long, Dad. Toutes les personnalités du GRP sont à la tribune, mais le gouvernement provisoire ne profite pas de l'occasion pour prendre officiellement le pouvoir. C'est toujours un comité militaire qui expédie les affaires de l'Europe. Saigon, de vie politique dure encore, selon le silence permet de se poser bien des questions. Saigon défile ou assiste au défilé. Beaucoup de gens sont venus par curiosité et aussi, pour avoir raison, pour ne pas se faire mal. Pour certains, c'est vraiment la fête de la libération. Mais pas pour tout. Il s'agit de voir, de comprendre, de se familiariser avec le nouveau pouvoir. En général, quelle est leur conception de ce mot socialisme? Pour eux, c'est d'abord l'indépendance et la paix. Et pour cela, je sais que la grande majorité de la population sait que, avec le départ des Américains, avec l'effondrement du régime satellite des États-Unis, nous aurons la paix, l'indépendance.
Excusez-moi, le socialisme, ce n'est pas uniquement l'indépendance et la paix. C'est ça. Autre chose. Pour eux, plusieurs ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le socialisme. Pour eux, ce qui compte, c'est une vie décente, quoi manger, à se vêtir, à s'instruire. Et nous, pour nous, le gouvernement révolutionnaire provisoire, nous nous fixons ces objectifs. Ce sont nos objectifs les plus importants, c'est de tâcher de faire en sorte que toute la population ait de quoi vivre, manger, se vêtir et s'instruire. C'est le minimum. Mais on fera tout pour que le niveau de vie soit amélioré. Et pour tout le monde, pas pour une poignée de gens. J'ai remarqué, comme vous le dites, que beaucoup de gens au Sud-Vietnam sont prêts à adhérer à un effort de paix, de reconstruction, même s'ils doivent matériellement changer un peu de conditions. Mais beaucoup ont peur, se font une idée du socialisme tel qu'ils en ont peur. Ils croient que c'est quelque chose de très austère, de très dur, et ils ne sont pas prêts pour ça. Comment est-ce qu'on va leur expliquer ça? Je crois que, je ne sais pas si je suis trop optimiste, mais je crois que ça va très très vite. Et cela, grâce même aux gens de Thieu, qui avaient toujours trop dit de mensonges, que maintenant, quand on voit qu'il y a des mensonges, par exemple, ils disent que les communistes, pour eux, c'est les gens révolutionnaires, empêchent les gens d'organiser une partie de campagne pour se régaler avec les amis. Il dit que les communistes interdisent les femmes à porter des pantalons blancs, à garder des ongles rouges, etc. Alors, quand les gens voient la réalité, alors ils se rendent bien compte que ce sont des mensonges. Et pour ceci, alors ce sera aussi pour autre chose. Ils disent aussi que les enfants ne peuvent pas être avec les parents. Ils seront groupés. Et il faut des permissions pour voir son enfant. Vous voyez, ils ne peuvent rien faire contre nous pour faire peur aux gens. Ils inventent des choses. Et maintenant que la population, tout d'un coup, vive avec les révolutionnaires, ils voient que c'est le contraire. Superficiellement, Saigon n'a pas tellement changé. Il y a moins d'essence, mais il se débrouille pour vous. Attentifs, plutôt débonnaires, les petits hommes verts, les bodoïs comme nous, sont partout dans la ville. Le climat est pacifique, avec des moments de tension, comme pendant les derniers jours qui ont précédé notre départ. Les combattants du Nord, responsables de la force de frappe révolutionnaire, puis les maquisards du Sud, découvrent une vie tranquille, après tant d'années de danger mortel et d'austérité dans la chambre. Les gens de Saigon s'apprivoisent au son des haut-parleurs qui diffusent assez lourdement des slogans dont personne ne parle. Quand est-ce que vous prenez Hanoï? Je ne sais pas. Ça dépend de la durée de notre mission. Bodoï rencontre les choses de l'Occident. Je m'appelle Tong, je suis de l'armée de libération.
trois missionnaires arrivent à Saigon. J'ai quitté mon fils quand il avait 3 ans, maintenant il en a 7 et il va à l'école. Devant le palais d'Okla, partout dans la ville, naissent des manifestations, des meetings, des réunions spontanées. Toute une éducation politique qui commence. Curieux, disponible, les Saigonais sont bons élèves. Le premier jour, plus de police, plus de maintien d'ordre. Anarchistes par nature, les gens de Saigon ont profité pour embouteiller plus que jamais les armes. Les jeunes et les comités révolutionnaires populaires essayent de raider la circulation avec un succès relatif. Les grandes manifestations permettent à la foule de Saigon d'assimiler les slogans et d'apprendre l'enthousiasme de masse. On y ressent le soulagement de la paix, une indiscutable fierté, une ivresse d'indépendance et aussi une nouvelle sorte de vie peut-être trop bien réglementée. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les gens du Sud et les gens du Nord? Non, je crois en ce temps-là, on s'en aime. On dit que les gens du Nord sont plus sévères, non? Avant, on vient, maintenant, on... Maintenant, pas du tout? Mais pas du tout. Ça ne vous inquiète pas qu'il y ait tous les gens du Nord, hein? Je crois, maintenant, il est un pitié pour les gens du Nord, hein? Et du Sud, pardon. On ne sait pas, mais on s'est libre, là. Je suis content, maintenant. Vous n'avez pas peur du communisme? Oh, je ne peux rien, ouais. Je suis vivre dans mon pays, je dois accepter ça. Madame Gobatan, personnalité bien connue de la Troisième Force, exprime l'espoir d'une démocratie socialiste originale pour le Sud-Vietnam. Elle représente sans aucun doute, confusément, l'opinion de la majorité de ses concitoyens. La victoire de la révolution, dans ce sens, non pas tellement d'un choix, d'une option entre Nord ou Sud, entre deux options éventuelles, mais plutôt la synthèse de deux extrêmes dont nous, Troisième Force, devrions être en mesure, ou tout au moins c'est là notre rôle, de réaliser cette synthèse. Alors, en excluant ce qu'il y a de mauvais et en prenant ce qu'il y a de bon de part et d'autre pour en faire cette synthèse dans l'intérêt alors, supérieur de la nation. Et je conçois justement dans ce sens que le gouvernement futur, dans la mesure où il veut être... dans la mesure où il veut réussir, doit représenter, non, ne doit pas être un gouvernement d'une faction, d'un parti, d'une idéologie, mais le gouvernement de toute la nation vietnamienne. Et c'est là le grand test. Est-ce que les leaders éventuels plus durs sont en mesure de représenter non pas le parti communiste, le parti socialiste, les bouddhistes, les catholiques, mais le peuple vietnamien dans son entier? Dans quelle mesure le peuple se sentra représenté, défendu par les gouvernants? Là, pour moi, c'est là le problème. Un geste qui symbolise la victoire. On démolit le fameux monument aux morts de la place Leloy qui montre de marines marchant ensemble au combat, l'un poussant l'autre. Cette chute, c'est l'humiliation des Américains. C'est le signe de la joie des vainqueurs. Une joie paisible, ils n'avaient jamais douté de l'issue de la guerre et voilà leur foi confirmée. Thank you.
avez éprouvé quand vous êtes entré dans Saïgon avec les troupes de libération? Naturellement, nous ne sommes pas surprises. Nous savons que notre lutte doit achever par cette libération. Nous ne sommes pas tout à fait prises au dépourvu. Nous sommes très très heureuses parce que notre lutte a été si longue, si coûteuse en vie humaine et en bien, que nous sommes débordés de joie parce que nous savons qu'enfin notre peuple peut terminer le chemin de souffrance. Vous avez ressenti que c'était la paix? Certainement. Parce que nous savons que tant que les étrangers, les agresseurs étrangers sont encore sur notre sol, il n'y aurait pas de paix. Au temps de la première résistance contre les colonialistes français, c'était le président Ho Chi Minh qui nous a fait cette révélation, qui paraissait simple au début, mais personne n'y pensait. Moi-même, quand je faisais mes études, on disait que la mère patrie était la France. Alors nous disons, est-ce que c'est le destin qui fait que nous soyons toujours décolonisés? Et il y a beaucoup de gens, et même presque tous les gens que je connaissais, pensaient vraiment qu'on est décolonisés, et c'est peut-être qu'on doit le rester jusqu'à la mort, éternellement, quoi. Mais c'était le président Ho Chi Minh qui a dit que l'homme n'est pas fait pour être colonisé, tous les hommes doivent être libres. Et c'est la colonisation qui fait que nous soyons colonisés et qu'on peut être des gens, un peuple libre, indépendant, comme les autres peuples. C'est une vérité qui paraît très simple, mais on ne peut pas le savoir au début. Et il faut beaucoup de temps pour le savoir et y croire. Si je fais toujours des références au président Ho Chi Minh, c'est parce que c'est lui qui a vraiment nous donné cette foi. Il a expliqué aux simples gens, aux femmes illettrées, que pour nourrir un enfant, il faut qu'il mange et bouchée par bouchée pour grandir. Il faut 9 mois et quelques pour le bébé soit tout fait pour donner au monde un petit enfant. Et quand il est au monde, il a 1 an, et pour qu'il soit adulte, combien d'années il faudrait pour qu'un enfant soit adulte? On ne peut pas avoir un pays indépendant d'un jour à l'autre. Et je crois que ce sont des vérités qui sont très simples et que tous les gens comprennent. Et on y croit on croit au jour de la victoire et de l'indépendance, comme on croit à ce que l'enfant qu'on nourrit va grandir et devenir une grande personne. Quelques jours plus tôt, avant que la guerre soit finie, on meurt encore autour de Saïgon. Les armées révolutionnaires accentuent leur pression. Madame Dung sait qu'elle a gagné, mais d'autres, comme ces jeunes soldats sudistes, continuent à se battre, animés par on sait quel espoir. Certains, par la force de l'habitude et la logique de la guerre, d'autres, par la crainte de la vie. Je suis un soldat. La situation est très grave, sérieuse, mais pas désespérée. Alors je pense que
Si les combattants, c'est l'armée vietnamienne, peuvent tenir debout pour un certain temps, suffisamment pour des entretiens avec les communistes, et on pourrait atteindre à des clauses d'aide acceptables. Vous vous sentez capable de vivre avec les communistes? De vivre avec les communistes, franchement dit, je ne suis pas un capitaliste. Et au point de vue de distribution des biens, ce n'est pas un grand problème. La question de liberté, ça serait à voir. Mais, par exemple, si ici, on va subir une défaite immédiate, ça, je pense que ce serait une catastrophe. Mais si on a un certain temps, un délai de quelques années, pour chercher, pour les communistes et les nationalistes, chercher à se comprendre et à s'adapter. Je pense que ça va s'arranger bien. Si tout le monde cherche à s'en aller, à s'enfuir, et se montrer égoïste, lâche, ça serait fini. Une route devant Xuannoc à 50 km à peine. On y croit encore, confusé. Des soldats de la 18e division sud-vietnamienne montent en ligne. Ils préparent une contre-attaque. Une fortification dérisoire pour tenter de stabiliser un front qui n'existe plus. La 18e division attend une attaque frontale. Mais les Bedoy ne jouent pas le jeu. Ils contournent les défenses en tenaille. Le 27 avril au matin, c'est la dernière véritable bataille de la guerre du Vietnam. À Trang Bom, à 40 km de Saigon. Vous avez déjà vu ces images au journal télévisé. Le dernier document que nous avons pu expédier vers Paris avant que les communications soient coupées pour un mois. Après Hanoï, un petit village catholique à 12 km de Biennois, un poste militaire et une chicane barre la route qui mène à Xuanglok, tombé il y a quelques jours. Christian Hoche du Figaro arrête sa voiture derrière la nôtre. À droite de l'écran, le photographe de l'agence Gamma, Michel Laurent. Jean-Pierre Moscardo va se replier en faisant signe à l'ingénieur du son, Claude Fabre. Le pare-brise de notre voiture a été pulvérisé par une rafale. La voiture du Figaro est touchée par un obus de mortier. Derrière Fabre qui court, Laurent s'arrête, se retourne. Christian Hoche n'a pas suivi. Les miliciens du village tirent sur les Nord-Vietnamiens qui arrivent. L'un d'eux court à la voiture de nos confrères. L'armée régulière a fui. Seuls les miliciens résistent.
continue. 31. Ils ont percé notre front. On ne comprend pas. Ils sont trop nombreux. Nous n'avions pas d'armes modernes. Nous sommes obligés de fuir. Pourquoi se battre? L'armée elle-même ne se bat plus. Une autre armée, l'armée infinie des réfugiés. Seuls quelques miliciens catholiques, déjà réfugiés du Nord, ont fait le coup de feu à la porte de leur village. L'armée régulière s'est évaporée. Entre l'armée révolutionnaire et Saigon, il n'y a plus que quelques desperados, rangers ou élèves parachutistes. Les réfugiés ont quitté leur camp pour prendre la route de nulle part, au milieu des dernières escarmouches. La plupart de ces réfugiés sont des montagnards qui en sont à leur deuxième, à leur troisième ou à leur dixième exode. L'autoroute coréenne, à 15 km de Saïgon. Les fuyards n'ont pas le droit d'entrer en ville. Des camions militaires en panique frôlent les colonnes, arrachent ici et là une jambe ou une tête. Les réfugiés
tranquille qui a stupéfié tous les pays. Le dernier chaos, les dernières misères de l'interminable guerre qui se termine. Lundi 28, à deux jours de la fin, le pont de Xalo à l'entrée de Saigon. Même pas une bataille. Quelques rangers défendent le pont contre l'armée qui déferle. Les hélicoptères appuient leur baroud d'honneur. De l'autre côté de la rivière, des silhouettes. Ce sont les fantassins communistes qui avancent. Ne cours plus. Je ne vais pas me mourir, n'est-ce pas? Pitié! J'ai trop de sang qui coule. Arrêtez le sang! Pendant ce temps-là, à Saigon, marchandage politique. Le président Thieu est parti, son départ a précipité l'inévitable effondrement militaire. Le vieux Huong, son successeur, se décide enfin à passer le pouvoir ou ce qu'il en reste. Le général Minh aura juste le temps de capituler et d'épargner à Saigon l'apocalypse du pilonnage d'artillerie et des combats de rue maison par maison. Il est trop tard, bien trop tard pour un compromis politique. Le pouvoir révolutionnaire, pour bien montrer qu'il refuse Minh, envoie deux avions A-37 mitrailler le palais et la ville. Toutes les armes de Saigon se mettent à tirer n'importe comment, n'importe où. Mardi 29, le commencement de la fin. Les gens, pour quelques heures, désertent la rue et se cachent chez eux. Interdiction de quitter Saigon, les routes sont coupées. Les Américains, c'est plutôt ce qu'ils pensent de nous, les Vietnamiens d'abord. Ils nous considèrent comme des cochons, quoi, ni plus ni moins. Ça, c'est sûr. Échapper, enfin, espérons toujours, on a toujours une chance. Il faut toujours espérer, il faut vivre avec l'avenir. Ma famille est coincée ici. La fièvre monte devant l'ambassade américaine où s'entassent des Vietnamiens prêts à tout pour s'embarquer dans les hélicoptères. Pour éviter la honte d'un départ politique à froid, les Américains ont attendu d'avoir les baïonnettes communistes dans le dos. Du coup,
la panique est devenue contagieuse, pour beaucoup irraisonnée. Des dizaines, des centaines d'hélicoptères se sont succédés jusqu'au matin sur le toit de l'ambassade et des bâtiments étrangers. Les élus attendaient leur tour de partir, leur mince fortune dans un petit sac vers les bateaux de la 7e flotte, puis vers Guam et les États-Unis pour quel destin. Les Vietnamiens ont payé jusqu'à 15 000 dollars leur droit de passage. Il y a eu des scènes violentes et terribles aux portes gardées par des marines en armes. Dans les autobus qui partaient vers Tan Son Nhut, vers les derniers avions, les places étaient chères aussi, seulement pour les Vietnamiens. Nous suivons le peuple qui part. Mais vous allez être, vous partez de Saigon? Peut-être. Vous avez peur? Mercredi matin, le dernier hélicoptère n'avait pas encore décollé que le pillage des bâtiments américains commençait. L'ambassade, les PX, les appartements désertés, tout a été nettoyé, méthodiquement, dans l'ordre, sans cri ni bagarre. Avec ou sans uniforme, soldats et policiers participaient au déménagement, pas une bribe perdue. C'était comme une dernière vengeance, une façon de se payer sur les richesses du passé qui n'avaient pas suffi à conjurer le destin.
combattants comprennent que les gens qui travaillent pour, avec les Américains, les collaborateurs, les profiteurs des guerres, tout ça, pour la plupart, ils sont des victimes d'une politique d'assimilation ou bien des contraintes par la force armée ou bien par le dollar pour faire ce travail. Et nous sentons blessés profondément en nous-mêmes que nos propres compatriotes soient de ces victimes. Et le Front National de Libération et le gouvernement provisoire révolutionnaire éduque toujours, toujours, tous les quatre les combattants que tout notre peuple, tous nos compatriotes sont d'un même peuple. Et s'il y a des collaborateurs, c'est parce qu'il y a des agresseurs. Et tant que les agresseurs s'en vont, alors les collaborateurs, pour ceux qui veulent toujours rester vietnamiens, honnêtes, ils sont accueillis par le peuple. C'est-à-dire que le nouveau pouvoir révolutionnaire ne va pas punir Saigon. Parce que ce n'est pas la peine. C'est l'impérialisme qui nous divise et qui nous font souffrir. Nous n'avons aucun intérêt à faire encore souffrir notre peuple en plus pour cela. Ce n'est pas une question de punition. Peut-être s'il y a punition, ce sera pour ceux qui ont causé toute cette guerre, toute cette misère à notre peuple. Ceux-là méritent d'être punis, mais pas Saigon. Militairement, c'est fini. À 11h30, le mercredi 30, les soldats communistes entrent dans le palais d'Oklap où les attend le général Moon. Une autre histoire commence, l'ancien monde se liquide sans brutalité, comme si c'était écrit depuis toujours. Vas-y, mon gars. Nous avons capturé Jian Ming, président depuis deux jours seulement. Restons calmes et disciplinés. Je donne le pouvoir à ceux qui sont beaucoup plus mérités que moi. Quelques soldats perdus continuent à tirer. Ici, l'ancien hôtel de ville de Saigon. Pour lui aussi, c'est fini. Un colonel des forces de sécurité a tiré un trait sur l'ancien régime et sur sa vie qui ne voulait plus rien dire. Les prisonniers au palais d'Okla. Baissez les bras, dira un soldat vainqueur. Jamais dans l'histoire on n'aura vu une ville changer de main, changer de régime, avec aussi peu de brutalité et de représailles individuelles. Un signe pour la vie, que chacun interprète selon ses convictions et ses hantises, prématurément. Thank you.
amorce de remise en ordre dans la ville livrée à l'anarchie. Des enfants de 12 ou 13 ans à la gâchette trop facile patrouillent dans les rues avec leur M16 américain. On les appelait les cow-boys, le plus sérieux danger de cette période intermédiaire incertaine. Les écoliers, pratiquement et symboliquement, nettoient Saïgon de ses ordures passées. Nous faisons les chiens publics pour nettoyer la ville. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'ordre de nettoyer la ville? Mais personne ne nous a donné l'ordre, mais pas de, par nous-mêmes, nous faisons ce travail. Nous avons transmis l'ordre à élève par élève. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui quelques centaines d'élèves. Et nous proposons aujourd'hui de nettoyer le rectangle qui entoure notre école. Chers camarades et compatriotes, le gouvernement révolutionnaire provisoire a libéré Saïgon. Et maintenant, notre ville s'appelle Ho Chi Minh. Les petits hommes verts s'installent. Ils font connaissance avec Saïgon. Saïgon fait connaissance avec eux. La ville s'adapte grâce à sa traditionnelle souplesse. Elle joue le jeu de la victoire, un jeu qui ne sera pas sans lendemain. Parfois dans l'enthousiasme, parfois dans le doute. Malin, trop malin, celui qui essaye déjà de faire la part des choses. Les petits métiers continuent, les sans-métiers quand même. Au marché aux voleurs, les trafiquants, vite rassurés, vendent aux bodoïs naïfs les dernières lunettes de soleil et les derniers transistors sournoisement rafistolés. Les jolies saïgonaises, qui avaient rangé un instant leurs décadents vêtements de couleur, ressortent tout leur charme. Trafiqués au coin des rues, 2000 piastres au moins. La vie habituelle s'adapte et tente obstinément de durer avec ses petits trucs et ses petites libertés précieuses. Mais on sait qu'elle n'a qu'un temps, qu'un autre ordre, plus honnête et plus sévère, va s'installer. Il y en a qui sont prêts à tenter l'expérience du bonheur collectif de bon cœur. Mais pour certains, pour certaines, c'est un déchirement. Quelles libertés, à votre avis, vont être mises en question? Quel genre de choses dans votre genre de vie? La liberté de s'amuser. De s'amuser comment? S'amuser autant qu'on voulait, comme autant qu'on veut, comme du temps des, comme du temps d'avant. De sortir? Sortir, danser. Cinéma. Est-ce que vous pensez que vous pourrez lire les livres que vous voulez, lire les journaux? Je crois pas. Et sincèrement, je trouve que même dans les journaux, il y aura encore beaucoup plus de censure qu'avant encore. Mais pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi ils laisseraient pas les gens libres? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sont intéressés par la liberté qui existe dans les autres pays. Il ne veut pas que les gens puissent connaître toutes les libertés qui puissent exister dans les autres pays. Et puis tout le monde va demander à quitter le pays et ne jamais plus revenir.
Mais ça, ce manque de liberté-là, il va être ressenti par des jeunes comme vous. Mais est-ce que pour les paysans ou les ouvriers, est-ce que ça va être pareil? Non, je crois pas, parce que eux, ils sont toujours comme ça. Les paysans et les ouvriers, ils, toujours, ils ont leur champ et puis leur usine. Ça va être la même chose. Au contraire, ils seront beaucoup plus heureux. Ils seront beaucoup plus heureux. Je crois, oui. Parce que tout le monde sera comme tout le monde et il n'y aura pas de riches, il n'y aura pas de pauvres. Et puis, je crois que Hanoï, c'est le peuple des ouvriers, toujours. Il n'y aura que les ouvriers et les paysans, c'est tout. Il n'y aura pas de bourgeois, il n'y aura personne. Saigon va devenir comme Hanoï. S'il sera là, oui. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend si Hanoï sera là ou si on a toujours le GRP. Avec le GRP, ça risque d'être plus humain, plus doux. Je crois. Mais pas tout à fait comme avant. Mais est-ce qu'il faut que ça soit tout à fait comme avant? Est-ce que c'était si bien que ça avant? À part la corruption et... Et si le gouvernement est dur, qu'est-ce que vous allez faire? Alors on va essayer d'accepter, au début. Si vraiment on ne peut pas accepter, soit peut-être... Peut-être qu'il y aura une révolte ou... Si tout le monde est courageux. Ou alors si tout le monde accepte d'accepter. Accepte de supporter la vie dure, là. Il y aura une petite somme qui va essayer de se suicider pour essayer de raccourcir la vie, et puis c'est tout. Et puis les autres, ils restent, ils mènent leur vie dure comme ils veulent. Pour d'autres, pas tellement nombreux sans doute, il n'est absolument pas question de jouer le jeu du socialisme, quel qu'il soit. C'est le refus total, le blocage, l'horreur. Comme pour ce jeune officier qui s'est battu jusqu'au dernier instant contre le communisme. Il n'a pas voulu être filmé. Tant que la liberté existe encore au Vietnam, je désirais vivre au Sud-Vietnam, c'est mon pays. Je prenais la défense de mon pays en tant que soldat. Ce qui veut dire que je ne porte pas les habits militaires pour défendre le régime de Thiệu. C'est un régime pourri, mais tout le monde y retrouve son compte. À vrai dire, c'était une mode de vie qu'on a appris à vivre avec. Il y avait beaucoup de liberté dans cette pourriture. Je porte les habits militaires pour défendre mon pays contre le communisme. Je prends la défense de ma liberté, de la liberté de ma famille. Et cette liberté, hélas, ça n'existe plus. Avec le Front de Libération Nationale, avec les communistes, il n'existe plus de liberté. On n'a pas été libérés. On est fait prisonniers. Et on subira toutes les conséquences. Il n'existera plus de liberté. Et les Européens, ceux qui pensent que c'est une libération, se trompent. Il n'y a pas de libération. Il y a une conquête. On a perdu la guerre. On a été trahi. On a combattu pour rien. Et maintenant, on se demande quel sort sera réservé à nous tous. Nous, les Vietnamiens libres, nous qui avons combattu contre le communisme, nous qui avons reçu une instruction comme info, nous sommes trop intellectuels pour être communistes. Convaincre la population, est-ce que le nouveau pouvoir populaire va aller vite ou lentement? Je crois que cela dépend du niveau de connaissance de la population. Par exemple, si vous avez une maladie, si je veux vous guérir de cette maladie, naturellement que je souhaite que ce soit le plus rapidement possible, parce que tant que vous gardez une maladie en vous, ça vous fait souffrir. Alors je souhaite que ce soit rapidement. Mais il faut que vous preniez
une dose nécessaire de médicaments pour vous guérir. Alors cette dose, pour un bon médecin, je ne parle pas des mauvais médecins qui vous fourrent les choses. Pas de remède de châle. Voilà. Alors, si on voit que ce n'est pas la peine de traîner le traitement, alors on donne une dose adéquate, quoi. Et cela, je ne veux pas faire des prévisions sans me baser sur des données concrètes. Je crois que c'est tout à fait naturel que nos compatriotes du Nord ne connaissent pas autant que nous la situation, le tempérament des gens, etc. C'est tout à fait naturel. Alors, ce qui est important, c'est que nous sommes nous prenons en charge notre travail, nous écoutons nos amis du Nord comme d'autres amis qui peuvent nous donner des bons conseils, mais c'est à nous de décider. Et pour éviter des actions qui sont trop, comme vous dites, en avance sur le tempérament des gens, nous travaillons collectivement pour discuter. Peut-être je donne une formule qui est trop accélérée. Alors il y aura d'autres qui discutent. Ils disent que maintenant il faudrait encore plus de temps, je crois. C'est un travail collectif. Et ce qui est important, c'est que ce sont nous qui décidons. Madame le commandant Nguyen Ngoc Dung trace le chemin, raisonnable et heureux, d'un socialisme librement consenti. L'histoire va-t-elle lui donner raison? La personnalité du Sud, originale et individualiste, sera-t-elle tant soit peu respectée? L'unification du Vietnam se fera-t-elle en douceur, avec l'approbation de tout un peuple fier d'avoir retrouvé la paix et la dignité? Les vainqueurs auront-ils le courage, la clairvoyance de ne pas accélérer la mise au pas de Saïgon? À toutes ces questions, faites d'espoir et de doute, on ne doit pas encore essayer de répondre. La Bastille a été prise il y a un mois à peine, dans le siège, la révolution commence à faire. Oh,